l'histoire du placette est avant tout l'histoire des relations de centaines de personnes. Près de 5000. Je ne sais pas quelle année le premier directeur a rédigé cette brochure que j'ai trouvée dans les archives, mais sachez que chaque année, c'est plus de 120 étudiants internationaux qui résident, qui séjournent au placette. Et aussi d'apprendre la culture des autres. Moi-même, je suis professeur de néerlandais. Je suppose que parmi vous, il y a très peu de personnes qui connaissent le néerlandais. Je pense qu'il y a de quoi sur le plan de la coopération interuniversitaire, de la coopération bilatérale entre temps, de favoriser la rencontre dès que vous êtes étudiant, pour qu'à l'avenir, vous puissiez toujours nouer le contact qui a été tissé, par exemple, au centre classique. Donc la Flandre, c'est déjà une autre culture et c'est très riche. Donc vous avez aussi ici la possibilité, et aussi pour les Belges, quelle que soit la définition qu'on donne aux Belges, ça vous permet aussi de rencontrer l'autre, et dans notre monde actuel, c'est particulièrement important.